montée ou débordement d'une masse d'eau, spécialement sur des terres sèches. Les inondations sont quasi permanentes en République démocratique du Congo en particulier, mais aussi et surtout dans le bassin du Congo. Les inondations, c'est donc de cela que nous allons devoir parler dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. René Ngongo Mateso. Il est le rapporteur du Conseil économique et social. M. René, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de parler aux journalistes qui s'intéressent aux questions environnementales. Alors, nous l'avions dit, les inondations, c'est vrai, nous sommes en saison sèche ici, à Kinshasa peut-être, ou dans la partie ouest, mais ce n'est pas la saison sèche partout, à travers la République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. Les inondations, on en a connu dernièrement, ici en amont, disons en aval, à Kinshasa, avec les débordements du fleuve Congo. Comment, vous qui vous intéressez également aux questions environnementales, c'est vrai que vous êtes au Conseil économique et social, mais comment avez-vous accueilli cette situation inhabituelle, en fait, appelons-le comme ça, ici dans la ville-province de Kinshasa? Oui, c'est vrai que c'est une situation inhabituelle, mais qui était déjà prévisible, parce que depuis quelques années, nous assistons régulièrement aux phénomènes extrêmes provoqués par les changements climatiques. Les cycles d'inondations qui, à l'époque, prenaient 30 ans, commençaient à se raccourcir, 20 ans, 10 ans. Je me rappelle, pour avoir vécu plusieurs années à Kisangani, c'était minimum 20 ans, 10 ans qu'on pouvait. Mais maintenant, ça devient cyclique. Donc, c'était prévisible parce que nous avons vécu ça. Mais au Conseil économique, c'est une préoccupation parce que depuis 2019, on a connu aussi des inondations. Nous avons commencé à réfléchir au sein du Conseil économique sur la question des inondations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait produit une note technique sur les inondations dans les bassins du Congo, où on a relevé les causes, les conséquences et les impacts de tout ça, et même des perspectives pour la République démocratique du Congo. Donc c'est une question hautement écologique, évidemment, mais qui est sociale et avec des impacts sur l'économie. Or, ce sont les trois secteurs, les quatre secteurs qui intéressent les conseils économiques, et nous nous sommes basés sur ça pour apporter un avis éclairé à l'intention des décideurs. Donc c'est une préoccupation qui est une conséquence, évidemment, des changements climatiques et d'autres causes que nous allons aborder durant cette émission avec vous, monsieur le président. Effectivement, les inondations dans les bassins du Congo, impact, cause, conséquences, mais aussi perspectives. Alors, si on doit devoir commencer par les causes, monsieur le rapporteur, quelles peuvent être en fait les causes des inondations ici en République démocratique du Congo, en particulier dans les bassins du Congo en général? En fait, de plus en plus, il se remarque suite au réchauffement de la planète. Et je rappelle que ce réchauffement est provoqué par la grande concentration des gaz à effet de serre d'origine anthropique. C'est l'homme qui pompe beaucoup d'émissions. Et comme conséquence, réchauffement de la planète avec des perturbations qui provoquent des phénomènes cycliques. Les dernières inondations qui ont été catastrophiques ici à Kinshasa remonte à 1960. C'était d'ailleurs avant notre naissance. Et là, on dit que les débits avaient atteint autour de 80 000 mètres cubes par seconde du fleuve Congo, parce que nous nageons généralement entre 30 et 60 000 mètres cubes par seconde. Et là, on était arrivé à 80 000. Avec déjà en 2023, fin début 2024, nous sommes allés à autour de 70-77 mètres cubes, 1000 mètres cubes par seconde, et nous sommes arrivés presque à 6,20 mètres de niveau des mers. Donc on a frôlé les niveaux les plus élevés atteints, reconnus jusque-là.
Tout cela à cause des phénomènes de pluies diluviennes qui sont provoqués, comme je l'ai dit, par des phénomènes de changement climatique. Ça, c'est une des causes, évidemment, les pluies diluviennes, mais il y a aussi d'autres causes liées à la déforestation. Vous savez que lorsqu'on avait vraiment les étendues le long des fleuves, des forêts, ça retenait l'eau et même toute la pression. Mais lorsqu'on coupe la forêt, les terres sont dénudées et là, ça accélère les ruissellements et l'eau... Il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a pas d'infiltration. Et là, en parlant d'infiltration, c'est la mauvaise gestion des déchets. Ouais. Comment tout nous gérons bien, les déchets? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a toute cette histoire de construction anarchique. Ouais. Il n'y a pas de plan d'aménagement. À l'époque, il fallait respecter à peu près 50 mètres. La loi disait qu'il fallait respecter 50 mètres de long de berge. Aujourd'hui, on a construit pêle-mêle. On a des cités comme la cité du fleuve qui est construite sur les lits du fleuve. Hein, ceux qui ont vécu ici pendant longtemps, et même les scientifiques confirment que c'était une des zones de frayeur ici à Kinshasa. Donc les poissons dans les sous-bassins ici du fleuve Congo s'est multiplié là-bas. Quoi de plus normal qu'aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est parce que on a cédé la maternité, pour utiliser le langage simple, oui. Des poissons. Et certains experts ont dit que le fleuve allait donc récupérer son lit, en fait. On le voit souvent. Moi, j'ai des amis, même des parents qui ont quitté leur maison pendant presque un mois. Oui. Les fleuves avaient récupéré son droit. Donc, il y a toute cette question de manque d'aménagement, surtout l'absence d'alerte et de prévention. Parce qu'on sait, aujourd'hui, on sait prévenir ce type de catastrophe. Ça fait que les effets sont là. On est surpris. Regardez ce qui s'est passé à Bukavu. Et même hier, il y a une pluie qui n'était pas grosse, mais on a vu déjà les signes de ce qui va se passer avec tous les déchets qui sont déversés dans nos rivières. Ça fait que l'eau qui n'a plus de passage force les passages et à ce moment-là fait beaucoup de dégâts sur l'aval du fleuve et ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà brièvement les causes que nous pouvons mettre en évidence qui expliquent les inondations, mais j'insiste que la principale cause, c'est lié au dérèglement climatique qui nous pousse à avoir régulièrement, avec une moyenne de 4-3 ans, des phénomènes qui arrivent d'inondations. Et c'est là, malheureusement ou heureusement aussi, nous avons beaucoup de cours d'eau qui sont remplis. Et à ce moment-là, quand on combine les facteurs de déforestation, les pluies diluviennes et la mauvaise gestion des déchets, comprenez que c'est un cocktail monotone qui est très dangereux pour nous, les environnementalistes, mais malheureusement pour les populations, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, M. René, les inondations, c'est vrai, c'est un problème, mais est-ce que les eaux des inondations peuvent être utilisées à autre chose? Est-ce qu'elles peuvent servir à autre chose? Tout à l'heure, je parlais, monsieur le journaliste, de la prévention. Dans d'autres sites, j'ai vu dans une ville comme Paris, il y a des écluses où on capitalise ces zones. En période de crue, on sait récupérer ces eaux et ces eaux sont utilisées pour plusieurs usages. Nous, c'est vrai que nous avons beaucoup de cours d'eau, mais ailleurs, lorsqu'il y a inondation, on récupère les surplus. Hein, on crée des bassins de rétention qui sont utilisés pour l'agriculture, pour l'irrigation, pour même les activités récréatives. Donc, en fait, ailleurs, c'est une opportunité. Mais chez nous, les inondations constituent vraiment des catastrophes qui, malheureusement, s'accompagnent des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures et autres. Mais la meilleure solution, c'est de prévoir des barrages de rétention avec des écluses pour même nos cours d'eau ici à Kinshasa peuvent être utilisés pour la navigation. Si on met les systèmes d'écluses et les surplus d'eau peuvent être utilisés justement pour faciliter
la navigation, ça va résoudre le problème d'embouteillage énorme dans la ville de Kinshasa. Le fleuve aujourd'hui, il peut être considéré comme une route naturelle, mais avec les phénomènes d'inondation, bon, c'est vrai, renforcé par les changements climatiques, les dérèglements climatiques, mais est-ce que aujourd'hui les structures qui sont censés gérer des catastrophes, prévenir les inondations. Est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui anticiper sur les inondations? C'est ça le grand problème que nous avons, parce que lorsqu'on analyse en profondeur, ces structures chargées de la gestion des catastrophes sont logées au ministère de l'Intérieur. Mais on sent que le ministère de l'Environnement veut aussi gérer ces catastrophes. Et tout le monde considère que c'est son plein droit de gérer les catastrophes. À ce moment-là, tout le monde attend. En fait, on attend qu'il y ait de l'argent pour dire « Ah, c'est à moi la gestion de l'argent ». Mais il n'y a pas de prévention. J'ai parlé des bassins de rétention. Aujourd'hui, on voit visiblement qu'il y a risque encore d'inondation. Il y a des efforts, c'est vrai. On est en train de tirer les caniveaux, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est suffisant? On cure les rivières, mais qu'est-ce qu'on constate? Les déchets sont juste à côté de la rivière. On n'évacue pas, parce qu'après, ça retourne. Et quelques temps après, lorsqu'il pleut, à la première pluie, ces mêmes déchets rentrent encore obstruer les cours d'eau. Et à ce moment-là, l'eau se profile dans les quartiers et on connaît des inondations avec des conséquences énormes sur le plan de la santé, sur la destruction des infrastructures, des maisons, écoles, centres de santé, et on déplore des morts, des centaines de morts. Alors, les causes, on les voit, elles sont aussi anthropiques, comme on l'a dit, avec les activités humaines sur les berges, à côté des cours d'eau, mais l'impact, il est aussi tant social, économique qu'environnemental. Alors, comment aujourd'hui, on peut arriver au-delà de la prévention, au-delà des efforts qu'on peut fournir pour essayer d'atténuer les impacts. Comment aujourd'hui, les services, les structures ou tout ce qui peut intervenir dans le cadre de la prévention, dans le cadre d'apporter des solutions, des réponses, comment ces structures peuvent arriver à donner des solutions aux phénomènes d'inondation? Au Conseil économique, on a toujours plaidé pour qu'il y ait un ministère dédié à la gestion des eaux. Et comme il n'y a pas, les deux sont liés, eau et forêt, c'est un ministère qui devra gérer la question des eaux et des forêts. Parce que il n'y a pas d'eau sans forêt, il n'y a pas de forêt sans eau, c'est important. Donc je pense qu'à ce moment-là, on peut avoir des structures au sein de ces ministères qui pourront faire la prévention et la gestion des catastrophes. C'est vrai que nous sommes souvent surpris par ces catastrophes, et lorsque ces catastrophes arrivent, on ne sait pas comment s'y prendre pour gérer ces catastrophes, la prise en charge des sinistrés de ces catastrophes. Donc il est important qu'au sein du gouvernement, qui est d'abord ce ministère, aujourd'hui, je vous dis, la question de l'eau, elle est tellement primordiale, beaucoup d'États. Vous connaissez les fameux projets Transaqua où on voulait transférer nos eaux de Lubangui vers le lac Tchad, mais ces projets ne sont pas tout à fait enterrés. Hein? La RDC est lorgnée pour ses richesses, notamment après les mines, il y a aussi les eaux. Donc il est important de pouvoir anticiper, avoir un ministère. Et parmi les causes justement de ces attaques, c'est que nous avons suffisamment d'eau, et ils disent que les Congolais ne savent pas utiliser leur eau. On n'en fait rien du tout. On ne fait pas l'irrigation, donc c'est de l'eau qui vient traverser comme ça, gratuitement, dans la nature, et on ne sait pas les capitaliser. Donc, il est important qu'il y ait ce ministère qui va gérer cette question capitale, et avec des structures qui vont jouer un rôle important. Parce que là, c'est tantôt le ministère de l'Intérieur, tantôt le ministère de l'Environnement, tantôt c'est le ministère des Affaires Sociales qui gère les sinistrés. Donc il faudrait qu'il y ait un ministère avec des structures bien appropriées pour faire la prévention, mais aussi la gestion des catastrophes. Prévoir
les barrages de rétention, prévoir les écluses, et ça c'est un travail vraiment permanent d'un ministère dédié à la gestion de l'eau. Alors, Monsieur René, certains experts pensent que, ils le disent d'ailleurs, que l'eau c'est un bien économique. Et donc, si nous avons des surplus d'eau, nous pouvons également aller vers la vente de nos ressources en eau pour que nous puissions avoir des devises, en fait. Mais est-ce qu'au niveau du Conseil économique et social, on pense sur cet aspect des choses? Nous sommes longuement penchés sur la gestion. D'abord, nous avons fait un avis sur le projet Transaqua, qui consistait... Le projet consiste à transférer l'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad, notamment l'eau de Lubangui vers le lac Tchad. Et là, nous avons montré les inconvénients d'un tel transfert. Nous avons eu des points de vue, on a longuement échangé là-dessus. Certains experts proposent que pour minimiser les impacts, il faut prendre cette eau à l'embouchure. Mais plusieurs experts, et je partage l'avis de cette catégorie d'experts, considèrent que même là, il y a beaucoup d'impacts qui peuvent arriver. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un pont en eau profonde. Si on fait le transfert de ces eaux à partir de l'embouchure, il y aura un phénomène d'ensablement. On ne saura pas avoir un pont en eau profonde là-bas. Donc, la meilleure façon, et ça ressort de l'avis du Conseil économique sur le Transaqua, c'est de faire... une vente virtuelle. Pourquoi est-ce que le Tchad a besoin de cette eau? C'est pour faire l'agriculture. Nous avons des normes étendues ici. Nous pouvons faire cette agriculture ici et trouver des mécanismes Vous allez appeler les Tchadiens venir faire l'agriculture ici parce non, nous allons le faire parce qu'eux, ils ont besoin de produits. C'est comme les gens qui ont besoin d'électricité n'ont pas besoin de venir produire l'électricité ici. On produit l'électricité, on distribue. Ils veulent faire l'électricité et l'eau, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'irriguer les champs. Nous, on peut le faire ici et avoir des accords de coopération pour qu'on diminue les taxes, et qu'ils puissent avoir accès à la ressource. Mais on ne peut pas, et ça, le Conseil économique a beaucoup martelé là-dessus, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Parce que les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. L'Ubangui, la rivière qui a été ciblée pour ça, les experts disent que c'est une rivière qui est malade. Elle était navigable 9 à 12 mois il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est à peine 6 mois. C'était pas même de 4 mois. 4 mois navigable. Donc, alors, une rivière malade, si on doit faire les transferts des eaux, ça veut dire... On doit avoir des conséquences et ça peut avoir des conséquences même sur les changements climatiques parce que ça risque d'assécher les tourbières. Or, si ces tourbières ne reçoivent pas d'eau, elles vont sécher et ça va être des terres propices à l'agriculture. Les gens vont aller faire l'agriculture et du coup, la RDC va être au top des pollueurs à cause de l'exploitation des tourbières. C'est comme l'Indonésie. L'Indonésie est dans les top 5 ou 6 des pays pollueurs, pas à cause des industries, mais à cause des tourbières qui ont été exploitées. Donc, vous voyez toutes ces conséquences-là. Si on essaie de résoudre un problème aujourd'hui en disant « Non, les Tchad, les pays du Sahel ont besoin d'eau, il faut prendre l'eau ici », ce n'est pas la meilleure solution. Donc, nous, on a dit, la RDC avec ses potentiels, il peut produire pour ces pays. Et aujourd'hui, on voit les échanges économiques. Et entre Africains, Sud-Sud, on peut avoir des accords mutuellement avantageux pour les deux parties. Et on peut avoir, pourquoi pas, des entreprises où il y a des capitaux de ces pays, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'emploi ici au Congo, que ça profite d'abord aux Congolais. Alors, M. René, on a parlé de causes, bien sûr, mais maintenant, il faut lutter contre les inondations. Est-ce qu'il existe des outils qui peuvent contribuer à lutter contre les inondations aujourd'hui? D'abord, nous avons parlé des phénomènes cycliques. Là, c'est difficile de contrôler. C'est vrai que tous les pays se sont engagés à travers leur CDN, contribution déterminée au niveau national, pour réduire les émissions, en espérant que les phénomènes, les dérèglements
va être atténuée. Mais la déforestation, nous pouvons mettre fin à la déforestation. Aujourd'hui, avec les crédits carbone, nos forêts sont plus utiles debout que coupées. Nous pouvons faire une exploitation durable de nos forêts. Tout en luttant contre la pauvreté et la population évidemment, locale. Évidemment, ici on fait une gestion durable des forêts, avec les questions de forêts des communautés locales, on utilise les produits forestiers non lignés, c'est plus avantageux. Donc on peut s'assurer de la déforestation, éviter, réduire sensiblement les taux de déforestation. À ce moment-là, la pression de l'eau dans le cours d'eau va diminuer et on va diminuer ainsi les inondations. Gérer les déchets, ça c'est vraiment une calamité. La gestion des déchets, c'est un problème très sérieux, crucial en RDC. Mais pourquoi c'est seulement en RDC? Je crois qu'il y a un problème de respect des normes. Et là, l'avis du Conseil économique aborde ces questions. C'est la question des déchets doit être décentralisée jusqu'au niveau des familles. Toutes les fois, quand moi j'échange, c'est une question d'éducation. Comment vous gérez? Oui, évidemment, il y a l'aspect éducation qui est capital. Comment on gère les déchets à la maison? Parce que si vous gérez mal vos déchets, vous êtes en train d'élever les moustiques et vous êtes les premiers à subir les conséquences. Parce qu'après, vous avez la malaria ou des maladies d'origine hydrique qui s'installent parce que vous avez mal géré. Donc, c'est vraiment, et je pense que de plus en plus, les autorités de la ville, province de Kinshasa, prennent conscience de la gestion. C'est important. Quand on quitte la RDC, on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas de déchets, même le sol, parce qu'on sait le faire. Et de plus en plus, c'est comme le phénomène de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez. La grenouille, lorsque vous la mettez dans l'eau chaude, elle va sauter. Elle ne va pas supporter. Mais lorsque vous mettez de l'eau froide, vous commencez à chauffer progressivement. Cette grenouille s'accommode à cette eau chaude. Elle peut même en mourir parce qu'elle s'est accommodée. Nous devons éviter cette réaction de la grenouille et nous révolter contre les paquets de déchets. Nous avons toujours conseillé de gérer la question des déchets à partir des maisons, des avenues, du quartier et de la commune. Les responsables des quartiers, les responsables des communes et même des villes devaient être appréciés en fonction de la gestion des déchets. Ça doit être un des critères d'évaluation de nos gestionnaires des villes pour avoir des villes vertes. Évidemment, il est important de reboiser les villes pour que nous puissions atténuer Regarde les sols qui deviennent imperméables à cause des déchets plastiques qui sont à même le sol. Et à ce moment-là, au lieu d'infiltrer l'eau, l'eau est en train de ruisseler et direction le fleuve. Alors, on a les causes, on a les conséquences aussi. Il faut des perspectives pour lutter contre les inondations. La République démocratique du Congo, c'est vrai, c'est un pays qui dispose de plus de 60% des ressources hydriques dans les bassins du Congo, mais on n'en fait presque rien. Voilà pourquoi certains pays ont besoin de cette eau. Mais quelles peuvent être les perspectives aujourd'hui en tant que scientifique et en tant que conseil économique et social? Vous avez utilisé une expression qui est familière au conseil, c'est l'eau comme un facteur économique. Le surplus d'eau, là, pourquoi ne pas faire des barrages de rétention? Nous avons aujourd'hui une agriculture pluviale. Donc nous sommes en train de faire l'agriculture sur base des eaux de pluie. C'est comme ça qu'on parle d'agriculture pluviale. Et il est certain aujourd'hui qu'avec les changements climatiques, les cycles de l'eau est en train d'être perturbée. Nous avons de moins en moins de périodes de pluie et les saisons sèches ont tendance à devenir plus longues. Cette eau-là qui devient une nuisance aujourd'hui, nous pouvons la stocker à travers les bassins de rétention. Est-ce qu'on a les moyens de faire tout ça, M. René? Les moyens viennent d'où? Pourquoi les autres ont les moyens, nous on n'a pas les moyens? Et pourtant nous avons tout.
Vous avez parlé de 60% des eaux du bassin du Congo. Vous n'avez pas abordé la question des minéraux, les forêts, les crédits carbone. Nous avons tout pour avoir, pour construire ces barrages. Ces barrages de rétention-là peuvent être utilisés pour la production d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'accès, j'exagère, moins de 15% des Congolais ont accès à l'énergie. Or, avec ces barrages, on va produire de l'énergie et on a besoin de l'eau. Donc, si on peut faire la rétention et puis faire l'agriculture irriguée, comment est-ce que ceux qui sont dans les déserts sont en train de produire toute l'année? Parce que nous, on sait qu'on a, une agriculture pluvieuse, donc on n'a pas besoin de ces eaux pour irriguer. Dans les années qui arrivent, si on ne fait pas attention, nous allons passer des mois en train d'importer ce que nous on produisait ici parce qu'on attend que dame la pluie arrive pour faire irriguer les champs. Et pourtant, nous avons la possibilité avec des cours d'eau. Je ne sais pas s'il y a un village dans ce pays qui n'a pas de cours d'eau. Donc, dans chaque territoire, on trouve des potentiels humains. On peut utiliser cette eau-là pour l'agriculture. Et quand il y a inondation, le surplus là est stocké pour justement ce genre d'activité. On peut faire de l'aquaculture. Aujourd'hui, on est en train d'importer des poissons, chinchards de partout dans le monde. Et pourtant, nous avons de l'eau qui n'est pas utilisée. Donc, ne prêtons pas les flancs à ceux qui veulent prendre notre eau, justement, parce que nous, on ne sait pas l'utiliser. Et l'avis du Conseil économique et social sur la gestion des eaux douces de la République donne toutes ces pistes-là. J'aimerais qu'un jour, on passe vraiment une émission juste pour les solutions qui sont proposées. Vous verrez que c'est faisable. C'est faisable. Donc, il ne faut pas avoir peur de nous engager dans des solutions durables, parce que nous devons projeter l'avenir et faire la prévention. Et une autre solution, c'est lorsqu'on fait la prévention, là, comment on gère maintenant? Il y a la prévention. On sait que ailleurs, par exemple au Japon, on sait que lorsqu'il y a maintenant des tremblements de terre, il y a des sirènes. Et quand il y a sirènes, évidemment, vous avez parlé d'éducation. Les gens savent, ils ont les réflexes. Ici, quel type de réflexe nous avons lorsqu'il y a inondation? Je vois même des risques. On a vu malheureusement des gens qui ont perdu leur vie. Il pleut à verse et ils sortent. Et avec les véhicules, ils se retrouvent dans les lacs ou dans les fleuves. Donc, on n'a pas encore suffisamment fait la sensibilisation pour bien gérer ces catastrophes. Et je pense que ça, c'est une obligation de ministères en charge de la gestion de ces questions, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement, mais aussi les autorités qui gèrent nos villes, pour commencer à alerter et éviter le maximum de dégâts. Ce sont des vies que nous perdons parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de messages de sensibilisation de ces communautés. Monsieur René, on va devoir terminer avec cette émission. Il y a un avis sur les inondations du Conseil économique et social qui est en préparation, c'est ça? Ou en fait, déjà... nous avons fait une note technique sur les inondations et à partir de la note, nous sommes en train de travailler sur les catastrophes naturelles. Nous sommes en train de faire une cartographie des types de catastrophes. Nos équipes, surtout les collègues qui sont en province, sont en train de faire un travail vraiment de recensement des zones qui ont subi les catastrophes, que ce soit à Calais, à Uvira, à Lokolama, un peu partout, pour voir ces types de catastrophes, les causes, les impacts et comment gérer ces types de catastrophes. Et nous sommes en train de travailler avec d'autres pays africains, parce qu'il faut toujours partager les expériences, dans le cadre de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'ICESA, pour partager les expériences en matière de changement climatique. Une des thématiques qui a été retenue depuis l'Assemblée générale de Kinshasa, vous avez couvert cette Assemblée générale, c'est l'étude sur la mobilité climatique en Afrique. Et le premier pays retenu là, qui a été retenu au sein de l'ICESA, c'est la RDC. Et là, nous avons fait appel à des grands spécialistes de la question pour produire cette étude sur la mobilité climatique. Et
Le pays étant très vaste, nous avons ciblé quelques zones et nos collègues qui sont sur le terrain sont en train de ramener les éléments. Sur base de cette étude, sur base des observations et du suivi qui s'est fait depuis pratiquement 3 ans, nous allons produire un avis sur la gestion des catastrophes. Et une des recommandations, justement, j'ai tenté d'anticiper, c'est d'avoir un ministère qui est dédié à l'eau et à la forêt. On ne peut pas dissocier les deux. Monsieur René, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons gré de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.